Tout le monde pense connaître Sissi grâce au film avec Romy Schneider. Je dirais d'abord un petit rappel. Ils sont sortis à partir de 1955. La date n'est pas innocente, parce que c'est seulement le 16 mai 1955 que l'Autriche retrouve son existence juridique internationale et que les armées d'occupation françaises, britanniques, américaines et soviétiques s'en vont, y compris dans Vienne qui était partagée entre quatre zones. Alors que pouvait nous envoyer l'Autriche à ce moment-là, sinon une carte postale après un passé assez agité? Et c'est une histoire qui n'était pas connue, celle de Sissi et de François-Joseph, en dehors de l'Autriche. Le reste de l'Europe connaissait mal cette histoire. Alors c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle est à la fois dans la tradition et dans la modernité, et à mon avis, éternelle. C'est une Européenne qui va régner très très longtemps dans nos cœurs. Alors, la raison de ce livre, le premier sur un couple mythique et légendaire pour une plongée intime, c'est qu'on a découvert depuis, d'une part, la chute du communisme, un tas de documents en Europe centrale, où mes livres sont traduits d'ailleurs, et il y a un peu plus d'un an, il y a eu une série d'expositions remarquables, à Vienne notamment, sur le centenaire de la mort de l'empereur François-Joseph. Et beaucoup de documents sont sortis. J'ai eu accès à des archives, à des courriers, à des photos, à des films, des choses étonnantes. Et je publie des illustrations surprenantes. Une caricature de l'empereur et de l'impératrice s'embrassant sur la bouche. Hein, dans les années 1880, ça ne se faisait pas. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette femme, devenue impératrice malgré elle, elle n'avait pas 17 ans, elle n'a pas su ce qui lui arrivait, ce qui lui tombait sur la tête. Elle voulait être seule avec son mari, elle n'y arrivait pas. Elle ne fuyait pas François-Joseph, elle fuyait le protocole de la cour. Mais progressivement, je résume, par sa beauté, son tour de taille, 55 cm, son allure, 1m72, son élégance, il se passait quelque chose quand elle entrait dans une pièce, elle a commencé à jouer un rôle politique, en particulier avec la Hongrie, parce qu'elle a compris que la Hongrie pouvait soutenir l'Autriche qui était menacée par la puissance de la Prusse. Et voilà notre Élisabeth qui devient Erzsébet en hongrois, qui apprend le hongrois, qui est une langue difficile, qui reçoit des opposants à François-Joseph, des gens qui ont fait de la prison. Vous savez, le contentieux entre l'Autriche et la Hongrie en 1848 avait été très violent. Et elle va être l'avocate de la Hongrie. C'est grâce à elle qu'en juin 1867, le 8 juin, a lieu le couronnement de François-Joseph et d'Élisabeth qui deviennent Ferenc József et Erzsébet de Hongrie. Et la popularité de Erzsébet en Hongrie est telle, et encore aujourd'hui, que même au temps du stalinisme, le pont portant son nom à Budapest n'a pas été débaptisé. C'est une femme qui a permis la reconnaissance d'une identité dans l'Europe centrale. C'est très important parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'on appelle la montée des populismes, c'est surtout la montée des leçons du passé que veulent tous ces peuples qui ont été souvent maltraités par le traité de Versailles et ses traités connexes. Eh bien là, il y a des personnages très humains, avec une série de tragédies et de malheurs terribles. Bon, elle a perdu sa petite fille, la première Sophie. Elle l'a perdue à cause d'un voyage en Hongrie. Il y a l'énigme de Meyerling sur laquelle j'ai beaucoup apporté de nouveau. Et j'ai fait évoluer l'opinion à ce sujet, car l'empereur et l'impératrice, le roi et la reine, vont porter un lourd secret. Je ne suis pas sûr qu'ils portent le même. Est-ce qu'ils savent vraiment tous les deux la même chose? Mais je le dis en passant pour le lecteur, il y a quelque chose d'anormal. Lorsque, au matin du 30 janvier 1889,
Ils sont prévenus qu'on a retrouvé mort leur fils unique, l'héritier de la double monarchie, l'archiduc Rodolphe. Ils ne se précipitent pas à son chevet. Voulez-vous me dire quel est le couple de parents qui ne se portent pas tout de suite sur les lieux, même si par définition c'est trop tard? Ils n'y vont pas, parce que d'après moi, ils savent. Et il y a peut-être une scène de crime, comme on dirait aujourd'hui, qui est tellement atroce qu'il faut un peu arranger les lieux. Alors ce qui me frappe, c'est que Sissi n'est pas aimé des Viennois, mais ils en vivent. Dans plusieurs parties de l'Autriche, comme le Tyrol, qui est resté très monarchiste, on sait ce qu'on lui doit. Et dans la série des malheurs, ça va jusqu'au bout, puisque après l'assassinat, je pense en tout cas, peu probable suicide de son fils, elle-même va voyager partout avec François Joseph, ce que je démontre, à la fin de sa vie, et elle meurt sous le couteau d'un anarchiste. Mais elle était beaucoup plus révolutionnaire que lui. Et elle était une politique très avisée qui écrit en 1890, c'est-à-dire 24 ans avant l'attentat de Sarajevo, l'orage éclatera dans les Balkans. Donc elle voit arriver ce qui va déclencher la Première Guerre mondiale et personne ne l'a écouté. Alors je lui rends justice.